moi j'ai trois gros influences, je pense, c'est mes parents qui sont musiciens, ma mère qui est chanteuse de folk et mon père qui fait de la musique latino. Et forcément la chanson française, la musique française si on peut dire, qui fait aussi partie de ma culture, de ma vie. C'était pas le plan, c'était pas au programme. Dans le Sénat, y'avait pas de drame. Juste une épopée sublime, non pas les larmes d'un héros anonyme. Je suis musicien, mes parents sont musiciens et tout ça, mais un de mes grands rêves, c'est le voyage. Dès que je vois un horizon, je remets ma vie en question. Dès que je vois un mec qui se balade sur un canoë kayak, je me faudrait être à sa place. Je rêve de voyager encore. Après, on sait, plus la vie avance, plus on a des attaches, des accroches, et c'est difficile de partir et de tout lâcher. Je suis un peu dans cette nostalgie aussi, que j'essaye un peu de mettre de côté, mais cette nostalgie d'un certain âge qui représente une liberté absolue, et le fait qu'on puisse partir demain avec son slip et sa guitare, marcher pieds nus en Amérique latine, en disant je sais pas quand je rentrerai, qui je rencontrerai, ce qui va se passer, mais j'y vais. Ça c'est le summum de la liberté, ce que j'ai pas mal vécu quand j'étais plus jeune, quoi. Voilà, je suis un peu un nostalgique de ça et j'espère y retourner, mais ça sera pas pareil, quoi, évidemment. Je pédale dans l'ombre pour que tu vois la lumière. Je te dédie chacune de mes prières. Pour l'EP, il y a des titres qui ont été écrits un peu partout, il y en a que j'ai créé en Italie notamment, d'autres en Espagne, Rumba Clara, ce titre qui est en français-espagnol. J'ai collaboré avec Stan Neff, un réalisateur qui a porté sa patte, son talent. C'est cette rencontre aussi avec Stan qui donne ce son de l'EP. Venir et partir comme un voleur, le temps d'entendre battre ton cœur. L'Aéro Anonyme, oui, c'est une chanson qui vient d'une histoire personnelle assez difficile, et du coup, de là est venue cette chanson. Mais en réalité, c'est une chanson qui peut, je pense, peut parler à beaucoup de monde, et qui parle un peu en général de ces héros du quotidien qu'on croise tous les jours, en fait, il y en a beaucoup. C'est ces gens qui portent leur croix, en fait, dans le silence, et qui continuent quand même à sourire. La vie peut aussi être dure, voire très dure, parfois, pour certaines personnes. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, qui sont dans la vie continue, mais qui, en fait, portent des choses terrible et c'est vraiment des héros, quoi. Souvent il n'y a que le ciel pour me voir accomplir dignement mon devoir. On a commencé à bosser donc sur l'album. J'ai enregistré au studio Saint-Germain, toujours avec Stan Neff et des super musiciens. On a enregistré en live, pour moi c'était un vrai bonheur. L'idée en fait c'est de partir à Panama, faire un petit tour là-bas et continuer à enregistrer l'album là-bas en fait, pour avoir un pied un peu à Paris, mais un pied vraiment renoué avec ce passé, avec le Panama, mon enfance. On était au Panama avec mes parents, on vivait dans une cabane avec rien. Évidemment, c'est difficile de pas garder ça comme un souvenir, un paradis perdu, parce que c'était vraiment un paradis. Beaucoup de chansons me viennent de là. Et ce qui est drôle, c'est que plus on grandit, on a l'impression parfois qu'en fait on s'éloigne, mais dans les moments justement difficiles dans la vie, en fait on revient à ce qu'on est profondément. Et moi, j'ai toujours cette cabane qui ressort et cette baie. J'ai vécu là-bas petit, ensuite on a été à Paris, mais on est retourné beaucoup les étés, et on passait de cette vie parisienne à soudain Robinson Crusoe, quoi. On a envie d'aider les gens un peu à planer, à sortir de leur réalité, à vivre intensément. Les chansons, c'est un peu comme des enfants, en fait. Tu les fais, tu les portes, t'as du mal à les lâcher, elles sont jamais comme tu voudrais, t'arranges, et puis un jour tu les laisses partir et t'espères qu'elles vivront loin, longtemps, comme des enfants qui vont bien, qui marchent bien sur leurs deux jambes, qui sont équilibrés, qui sont heureux, qui ont la banane. Et voilà, t'espères qu'ils feront du chemin. Quand j'étais plus jeune, je gardais beaucoup de CD qui représentaient des étapes de ma vie. Si t'as une chanson qui marque une période de la vie de quelqu'un et qu'après il puisse la réécouter dans 20 ans, c'est une super récompense, quoi. C'est beau. Le temps d'un sourire.